Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan's Reborn. Yeah. Alors, si vous avez vu tous abonnés, cliquez là sur abonner pour activer la cloche d'abord, manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, c'est très simple. Vous pouvez faire les dons via les moyens qui se trouvent dans la description. Vous pouvez faire les dons via PayPal, notre banque et Western Union. Yeah. Et la vidéo qui va suivre, c'est une vidéo très puissante, une vidéo extraordinaire. Regardez-la et dites-nous ce que vous en pensez dans la partie commentaire. Retenez bien que Nyan's Reborn est la chaîne qu'il vous faut et Dieu lui-même vous parle aujourd'hui. Let's go, professionnels à tous. Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan's Reborn. C'est toujours un réel plaisir pour nous de vous revoir chez nous. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse de ce que vous regardez cette vidéo et Dieu vous bénisse de ce que vous nous suivez. Comme vous le savez déjà, les lundis et les jeudis, nous travaillons des témoignages très puissants. Et en particulier, la semaine prochaine, il y aura une vague de témoignages très puissantes qui vont frapper toutes les entreprises Nyan's Reborn. Soyez prêts, ça sera une pluie de bénédictions pour vous. Ne manquez surtout pas ces vidéos-là. Pendant que nous étions en train de faire le travail, nous travaillons aujourd'hui, nous sommes tombés sur quelque chose qui nous a encore étonnés. De quoi s'agit-il? C'est tout simplement un ex-sataniste qui s'appelle Paul Kalemba. Son témoignage se trouve en ce moment sur Nyan's Reborn. Dans son témoignage, il a dit que il a vu quelque chose de vraiment effrayant dans le monde des ténèbres. Il a vu quelque chose de vraiment troublant. Et ce qu'il a vu, ce sont des démons. Des démons qui étaient en cage et qui étaient féroces. Ils étaient plus dangereux que tous les démons qu'il a pu croiser sur la terre. Dans le monde de Satan. Et à une réunion, Satan leur a révélé qui sont ces démons-là en réalité et pourquoi il les a gardés ou encore réservés pour un temps. Ces démons-là en question, ce sont des démons les plus puissants avec qui il est descendu et il les a gardés pour le retour de Jésus-Christ. Parce que pour lui, le Seigneur Jésus-Christ revient. Pour Satan, le Seigneur Jésus-Christ revient. Pour le diable, le Seigneur Jésus-Christ revient. Donc, il faut se préparer à son retour. Et la meilleure façon pour le diable, pour Satan, de se préparer, c'est de préparer des anges, l'un des anges les plus puissants, de les bien préparer, de les garder en cage pour qu'ils soient encore plus forts ou encore féroces pour combattre le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ qui revient, ce n'est plus le même. Ce n'est plus le même Jésus. C'est tout simplement un lion qui revient avec une armée. Ce qui est vraiment grave et étonnant, c'est que le diable lui-même, qui se prépare au retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui encore qui ment aux gens que Jésus n'existe pas et ne revient pas. C'est lui encore qui vient nous convaincre que Dieu n'existe pas et que Jésus n'est pas Seigneur. Alors que lui-même, il se prépare à son retour. Et vous, mes frères et sœurs, que faites-vous pour vous préparer au retour de Jésus-Christ? La parole de Dieu nous dit qu'il viendra comme un voleur. Personne ne saura quand il viendra, mais quand il viendra, tout le monde le verra venir. Il y aura des choses graves, des catastrophes qui vont se produire avant son arrivée. Il y a beaucoup de choses qui se sont déjà produites. Est-ce que c'est fini? Lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Lisez le Nouveau Testament. Lisez le livre de Matthieu. Et vous en saurez plus. Jésus revient bientôt. Et le diable se prépare à son retour. Qui l'aurait cru? Il a fallu que Dieu délivre un sataniste pour qu'il nous révèle toutes ces choses.
Ne manquez surtout pas les vagues de témoignages très puissants qui vont venir la semaine prochaine, le lundi et le jeudi, sur toutes les chaînes Young Reborn. Soyez prêts! Dieu va vous parler et vous révéler de grandes choses pour sauver votre âme, pour sauver votre vie. Partagez cette vidéo à tout le monde. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Si vous voulez nous soutenir au travers des dons, toutes les informations se trouvent dans cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour la prochaine vidéo. Suivez-moi. N'y en serait pas.